Tu es sur le chemin de ta paix intérieure. Trop top! Oh, je veux dire, namasté. Ennemi, tu t'appelles rebelle! Aucune fille ne surpasse Miniman! Cette ville va savoir ce qu'est la véritable gloire une fois que j'aurai battu cette fausse championne, cette peste de rebelle! Oh mince, ça promettait d'être tellement cool! Rebelle est comme ça depuis une semaine, j'avoue que ça commence à m'inquiéter. Merci pour avoir groové avec nous, belle personne. Remercions la hutte de tofu de Tom qui nous a offert le repas. Alors, rebelle? Je ne suis plus rebelle, je suis rayon de lune ensoleillée. C'est un oxymo. Attention, citoyen de Gringaletteville. Oh non, pas encore lui. Moi, Miniman, fait de muscles et de muscles, déclare que cette ville sera la ville de Homme-ville. Ah oui? Vous et quelle armée? Ravi que tu poses la question. Cette armée... Une armée de steaks? Oh, les mecs. Ne crains rien, chère sœur. Je vais régler ça avec le pouvoir de l'amour. Je comprends rien à ce qui se passe. Alors, homme enfant, qu'est-ce qui obscurcit votre nuage? Toi! Tu ne vas pas encore saboter mes plans, tu entends? Et cette fois, c'est personnel. Mais pas trop personnel, il n'y a rien d'émotionnel là-dedans. Je ne veux pas me battre avec vous, ce n'est plus ma façon de faire. Bien! Un homme doit faire ce qu'un homme doit faire! Où suis-je? Quelle vérité recherches-tu? J'ai essayé la colère, échec. J'ai essayé la gentillesse, double échec. Frappe-moi. C'est plus mon truc maintenant. Feu! Qu'est-ce que vous... Feu! Hé! Hey! Feu! D'accord, vous l'aurez voulu, capitaine Gigoto. Eau et feu! Eau et feu! Tu vois, le feu et l'eau, tu dois être les deux. Correction bien équilibrée. Et voilà un peu d'eau. Et un peu de feu. Attendrir ces steaks, c'est trop facile. D'accord, encore une fois. Le feu plus l'eau. Oui, vous l'avez déjà dit. Le feu plus l'eau. Oui, je sais, mais... Le feu et l'eau. D'accord, mais... Écoute, c'est tout ce que j'ai à dire. Après tout, je ne suis qu'un homme tube. Nous, gros velus, on va mélanger l'eau et le feu. L'eau et le feu. L'eau et le feu. Oh, j'en mince. Alors, ça va, mes gentilles sœurs? Je crois qu'on va devoir s'habituer à une rebelle plus pacifique. Je suis une super nana différente. Plus jamais de mauvaises attitudes, sauf pour la fête de la zen essence. Et je ne parle pas de ces affreux hippies. Et j'aime même pas le tofu. Non, d'un bocal de capre, mais qu'est-ce que je vais faire? Ah, je sais, je vais tout de suite appeler les super nanas. Ah, ben non, je vais d'abord appeler le maire. Ah, ben non, c'est moi le maire. Oh, oh, je vais appeler Mademoiselle Bellum. Oh, tout ça, c'est ma faute. Si je n'avais pas été aussi irresponsable, tout ça ne serait jamais arrivé. Grand-père fondateur, dites-moi ce que je dois faire. Le véritable courage vient de l'intérieur. Quoi? Tu veux prouver que tu es un homme? Va mettre une jupe et fonce sur l'ennemi. Oh. Un véritable héros doit embrasser son destin. Je sais ce que je dois faire maintenant. Je dois me faire prendre en photo. Non, c'est le moment de monter au créneau. Oh oui, monter au créneau. Merci, samouraï. C'est le
l'heure de leur montrer de quel cornichon je me chauffe. Oh, Barbarus, c'est une idée mortelle d'avoir apporté ce jeu vidéo sur la mode dans notre planque. Tu as raison, ces horribles oreilles de lapin doivent disparaître. Quel manque de goût. Efface. Non. Je vous botterai les fesses à ma façon, les fashionistas, si j'étais pas aussi... fatiguée. Pas dans ces tenues démodées des années 90 que vous portez sur le dos. Cette tenue de polyester fondu va définitivement mettre un terme à votre style, mesdemoiselles. Préparez-vous à vous éteindre, sale petite peste. Et par là, je veux dire plonger dans ce bouillon de teinture. Préparez-vous à vous faire dégriffer, les fashionistas. Est-ce que c'est les vapeurs de polyester? Ou est-ce que ce drôle de karatéka ressemble à Monsieur le maire? Joueur 1, le maire. Ça alors, t'as raison, c'est le maire. Joueur 2, Bianca. Joueur 3, Barbarus. Sort des corps. Waouh, belle combinaison de Tsumasaki. Cool. Vous voulez connaître la vraie raison pour laquelle les femmes portent des talons? Venez par ici! Vous allez bien, les super nanas? Monsieur le maire, vous nous avez sauvés! Sincèrement, les filles, je suis ravi que vous soyez saines et sauvées. Allons-y, les filles, c'est à nous de jouer cette fois! Combo! Double combo! Triple combo! Triple combo d'équipe! Game over! Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Et c'est quoi cet endroit? Ne dites rien, monsieur le maire. On est vraiment désolé. On s'est montré irresponsable face à nos responsabilités d'être des protectrices responsables de la ville. Enfin, en gros, on n'a pas été à la hauteur sur ce coup-là. Alors merci de nous avoir sauvé la vie, monsieur le maire. Je vous ai sauvé? Ah, non mais sérieusement, on est où là? Une fois de plus, le soleil brille sur Townsville grâce au Super Anna et au maire Karateka. Ah... Je savais bien que vous vous en sortiriez très bien sans moi. Vos objets brillants ont été volés par Ratus Minus. Je me demande ce qu'il fait de toutes ces choses-là. Venez les filles, on va chercher Poulpette. Tu sais, Bulle, je suis vraiment désolée. Ravie que tu sois désolée. Mais je ne pourrai jamais te pardonner. Oh, elle est sûrement dans cette décharge. Ouais, c'est ici que vit Ratus Minus. Oh non! Poulpette déteste la saleté! Et moi, je suis comme elle. J'en suis pas aussi sûre que toi, Bulle. Poulpette aime bien mettre la pagaille. Qu'est-ce que tu sais de Poulpette, toi? Poulpette nappeuse, va! Moi, je trouve qu'elle s'améliore côté surnom. Belle, est-ce que tu viens? Oh! D'accord, mais on a besoin de quelque chose pour piéger Ratus Minus, alors... Surtout attention à ce que rien ne touche Kicknelius! Poulpette! Où es-tu? Ratus Minus, on sait que t'es là! Sors de ton trou! Il doit être quelque part dans le coin. Donnez-moi tout de suite la chose qui brille. Ah, voilà ce qu'il fait avec tous ces objets. Non! Ne lui donnez pas, Kicknelius! Tu nous rends Poulpette! Non, ce qui brille est pour mon honneur. Poulpette! Comment as-tu osé habiller Poulpette de cette façon? Les céphalopodes ne portent jamais de veste!
pour l'amour. Allez, suis-moi, Bulle. Je vais faire diversion et tu récupères Poulpette. Laisse-moi m'occuper de ça, tu la détestes de toute façon. C'est pas vrai. En plus, j'ai pas besoin de l'aide. Tu... Oh, Poulpette dénueuse, Poulpette magique, comme toi. Hé, hey, lâche tout de suite ma sœur. Besoin d'un coup de main? Belle, qu'est-ce que c'est? C'est un gant de latex, le plus hygiénique de tous les gants. Les saletés ne le traversent pas et je vais te sortir de là. Utile à quelque chose. Kicknelius, qu'est-ce qu'elle t'a fait? Je ne te pardonnerai jamais, rebelle! Je n'arrive pas à croire ce que je suis en train d'entendre. Super Bra est mon meilleur ami. Vous n'avez pas le droit de m'enlever mon ami. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'amitié au moins? Oh, et c'est reparti. Est-ce le navire qui vogue sur un océan docile en se balançant au gré des vagues, qui dit bonjour aux goélands, qui résout les mystères? Ou est-ce c'est le moment de retirer ton plâtre. Non! Tu es jalouse! On est toutes jalouses! Ça s'est bien passé. J'y crois pas! Comment elles osent faire ça? D'abord, elles me trouvent trop faible. Ensuite, j'ai super bras et elles me trouvent trop forte. Et après, elles me disent que je me parle trop à moi-même. Super bras n'est pas dangereux! Oh! Un chien gratuit! Elles sont juste jalouses! C'est elles deux, les... Rita, tu ne peux pas rompre avec Ratus Minus, tu es mon amour! Cours, Rita! Sauve ta vie! Devoir trouver énorme chose brillante pour Rita! Ratus Minus? D'accord, les filles, en formation Delta! Non! Super Bra et moi, on va s'occuper de lui tout seul! Le soleil brille sur Townsville, mais à quel prix?
Attendez, quoi? Oh, oh, ça continue. Bulle, tu es là? Ici. Oh, Bulle, est-ce que ça va? Je crois que oui. Oh, Bulle, c'était le truc le plus génial que j'ai jamais vu. Une de nos trois meilleures explosions. Merci. Et je suis désolée. J'aurais pas dû être si dépendante de Super Bras. Tu sais, nous aussi on est désolés. Ouais, tu n'es pas une petite mauviette. On rentre chez nous. Oh, ah, ma jambe, oups. C'est sérieux, on va pas te faire mettre un plâtre. Si on l'appelait Super Jambe. Non. Jambe en or. Non. Jambe à terre. Non. Tu brilles, brille. J'ai créé sans nul doute le plat parfait pour l'occasion. Le chef Schnitzel est de retour. C'est le pivot dramatique. Attention, Pfefferhackenbratenplatte, plus connu sous le nom de pâté de viande au piment. Les fourchettes sont encore sorties, prêtes à goûter ce nouveau plat. Aucun monstre pour l'instant. Et j'ai parlé trop vite. Vous voyez, c'est de ça que je voulais parler. Allons-y. Belle? Allez-y toutes les deux, les filles. Je crois que je serai inutile. Belle, ce n'est pas parce que tu n'as pas de nouveaux pouvoirs que tu es inutile. Aidez-nous, les super nanas, surtout celles qui ont ces super nouveaux pouvoirs. Vous pouvez amener l'autre, mais sans ces nouveaux pouvoirs, je pense qu'elle sera totalement inutile. Oh, allez-y toutes les deux, je vais rester ici et agrafer quelques papiers. Ça m'aide à réfléchir. Oh, Belle! Bien. On dirait qu'il vient me perdre la tête. Beau travail, rebelle. Génial. Maintenant, il voit en trois dimensions. C'est impossible. On dirait que c'est terminé pour les super nanas. Quoi? Oh non. Mais qu'est-ce que je fais là? Il leur faut un chef. Mais c'est moi leur chef. Pouvoir ou pas pouvoir, mes sœurs ont besoin de moi. Mais pas avant d'avoir rangé ça. Bulle, rebelle. Oh, oh là là. Quelle pagaille. On doit arrêter ça tout de suite. Belle, c'est complètement impossible. Et en plus, je suis un peu allergique au piment, je crois. Ça suffit. Ce pâté de viande est en train de détruire Townsville. Et vous, vous restez assise là à attendre. Regardez autour de vous. C'est l'apocalypse en ville. Ressaisissez-vous, les filles, parce que je déteste la pagaille. Et c'est le moment de ranger. Regarde. C'est un balai. Oui, c'est logique. Elle adore nettoyer. Et organiser. Une agrafeuse. Cool. Essaie quelque chose d'autre. Sers-toi de ton imagination. D'accord. Pourquoi pas. Ruban adhésif. Wow, cette fille n'a aucune imagination. Il n'y a aucune chance qu'ils s'en sortent. C'est de l'adhésif double face. D'accord, on passe au plan B. On a un plan B? Je suis le chef, il y a toujours un plan B. Alors, pâté de viande? Ah, vino kebab. On va réchauffer l'ambiance. Lance-flamme. Après vous être fait griller, je sais à quoi vous êtes. Le monstre, et maintenant il nous reste encore une chose à faire. Nettoyer cette pagaille. Oui. Attrape ça, nettoie cette pagaille. Cette fille est obsessionnelle.